Bonjour peuple de Dieu, je suis une jeune Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kanguka par le Dieu de mon nom qui est pasteur. J'avais téléchargé l'application mais je n'écoutais pas ça régulièrement. Je l'écoutais quand j'avais assez de temps. Si je suis là, c'est pour vous dire que Dieu a fait des merveilles. Ah, je suis contente. Il faut dire que dimanche, je suis allée faire mon test de VIH parce que la dernière fois, j'étais très malade. J'étais très malade. J'avais un tout petit peu peur. Pour plus de précautions, je suis allée faire mon test de VIH, ce qui s'est avéré positif. J'étais sans voix. Je suis rentrée, j'ai pleuré. Mais après, je me suis rappelée de Kanguka. J'ai dit, non, il faut que je retélécharge Kanguka parce que mon téléphone avait supprimé Kanguka pour problème d'espace. Donc, du coup, j'étais obligée d'effacer certaines photos qui ne me servaient à rien et certaines applications également qui ne me servaient à rien pour retélécharger Kanguka. J'ai retéléchargé Kanguka. J'avais besoin d'écouter les témoignages. J'ai écouté les témoignages. Je me suis levée, j'ai dit non. Si Dieu a guéri des gens comme moi, il peut aussi me guérir. S'il a guéri des femmes qui avaient le cancer, stade 4, ça veut dire que Dieu aussi peut faire la même chose pour moi. Du coup, j'ai repris la vie. J'ai jeûné pendant 3 jours, j'ai prié avec Kanguka. Jeudi, c'était grave. J'ai manifesté parce que j'écoutais les prières, j'ai manifesté, j'ai craché, je baillais à un point que c'était trop, je baillais parce que ma mâchoire me faisait même mal. Je baillais en pleurant même. Les larmes coulaient. Quand je fermais seulement un peu ma bouche comme ça, 2 minutes, même pas 2 minutes, 2 secondes, les crachats sont déjà remplis dans la bouche. Quand je suis allée faire le test dimanche de VIH, la dame m'a demandé de repasser dimanche qui était hier. Chose que j'ai fait, je suis passée dimanche. Ah, l'Éternel m'a béni. En partant faire le deuxième test, je mettais Kanguka. Quand je suis allée, j'ai fait le deuxième test, c'est sorti négatif. La dame me dit, non, il faudrait que vous partiez faire un autre test ailleurs, un test de confirmation, parce que il faudrait que vous alliez faire un test de confirmation. Chose que j'ai fait, je suis allée dimanche dans un autre hôpital. On m'a dit que non, de revenir lundi, que c'était fermé. Je suis redescendue dans un autre hôpital. Avec le même test, j'ai montré aux infirmières, ils m'ont dit non, c'est négatif. Mais revenez quand même, faire le test de confirmation. Je suis partie aujourd'hui, très tôt le matin, j'ai fait mon test de confirmation, ça s'est avéré négatif. Hey, Seigneur, Dieu est merveilleux. Ça s'est avéré négatif. Elles m'ont demandé de repasser à 14h, aller chercher le bout de papier qui confirme réellement que oui, c'est négatif et tout. Je viens d'aller chercher ça. Je peux dire, je suis contente. Comme Christ dit souvent, il y a certaines personnes qui guérissent en un jour, d'autres guérissent en une semaine, d'autres guérissent. Mais Dieu ne m'a pas oublié. Les témoignages m'ont redonné la force. Je sais pourquoi je viens ici. S'il y a une personne même qui est dans la même situation, qui est dans la même situation que j'étais, tiens ferme le béton de ton Dieu. Tiens ferme ton Dieu. Sache que ce qui te réserve est plus grand. Arrête de ne te plaindre pas. Prie. Il va te sortir de cette situation, Seigneur. Je n'arrivais pas à y croire quand on m'a dit que c'est négatif. Je n'avais pas les mots. Je ne pouvais pas dire que non. J'avais envie de dire que c'est mon Dieu qui m'a guéri. C'est mon Dieu qui m'a guéri. Quand je suis repartie, chez la dame, je lui ai montré le test. Elle était dépassée. Elle a fait un « Elle n'avait pas de mots. Et c'est pour ça que je dis merci à Christ. Merci d'avoir accepté l'appel de l'Éternel. Merci infiniment. Merci aux auditeurs. Merci à sa femme. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis les gens qui sont autour de toi, qui t'aident. Je bénis l'Éternel. Je rends grâce à l'Éternel parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est merveilleux. Je ne peux que vous remercier. Il y a Dieu dans Kanguka.
tenez-vous ferme. Votre Dieu va vous exaucer. C'est juste une question de temps. Restez et témoignez, parce que les témoignages, ce sont les témoignages qui m'ont permis de me relever. Parce que quand je suis rentrée, il faut dire que j'ai perdu au moins même 5 kilos en 3 jours, peuple de Dieu. Mais ce sont les témoignages qui m'ont donné la force. Shalom.